chers amis téléspectateurs de Ifa Channel, bienvenue pour un autre numéro de Look de Star. Et oui, votre toute nouvelle et première émission qui parle de musique, mais aussi de mode, car en première partie, nous aurons parcours de l'artiste, biographie, et en deuxième partie, nous aurons choix du style, style time. Et en troisième partie, ma partie préférée, bien sûr, nous aurons relooking. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste, compositeur, chanteur, beatmaker, Mustapha Diop et le maestro Luc Kangam. Bonsoir, El Maestro. Bonsoir, salam alaikum. Mm-hmm. Beaucoup de téléspectateurs et internautes. Mm-hmm. Manla El Maestro, mm-hmm. artiste chanteur, mm-hmm. compositeur, mm-hmm. beatmaker, mm-hmm. Songwriter et coach vocal. On va dire à multiples facettes. Wow, ginaar day beuri bax. Yes, ça. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, sans plus tarder, nous passons directement à notre première rubrique biographie, parcours de l'artiste. À tout de suite.
De retour au plateau de Look de Star à la première rubrique de notre émission, biographie, parcours de l'artiste. Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, El Maestro, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécue. Donc, en quelques mots, c'est qui El Maestro? El Maestro, je peux dire... Je peux parler beaucoup de choses sur El Maestro, mais je vais essayer de résumer un peu. De mon vrai nom, c'est Moustapha Diop. Je suis né à Dakar, à Yoff. Et j'ai vécu mon enfance à Djourbel. J'ai côtoyé l'école là-bas et j'ai côtoyé aussi la musique là-bas. Parce que c'était en 1997. J'étais trop petit. Et il y avait un ami qui s'appelle Stéphane Cabot, un artiste chanteur comme moi. Mais c'est lui qui m'a fait aimer la musique. On aimait danser. On rêvait aussi de danser aux Oscars des vacances que Azissa me faisait. Et mon rêve, c'était ça au début. Et c'est après qu'il m'a dit pourquoi pas ne pas faire du rap. Et moi, je savais pas que j'avais un don. Je rappais au début. Je rappais quoi. Après, un jour, j'ai essayé de chanter. Et waouh, les gens ont dit, mais tu as une belle voix. Mais moi, j'avais pas cru à ça. Et j'y allais avec passion, tout simplement. Et j'essayais aussi d'aller dans les semaines de l'école de basse. Pour chanter quoi, mais c'était tout juste par plaisir quoi. Mais au collège, lorsque j'étais au collège, j'ai fait mon première maquette qui s'intitulait c'était l'instrumental de R. Kelly, mais c'était un écotrip quoi, on chantait nous-mêmes. Un écotrip, dans le milieu du rap, on appelle ça écotrip. Et les gens ont aimé. Les gens ont aimé et j'ai été détecté par une ONG, World Vision, et on m'a sélectionné parmi tant d'autres musiciens pour faire une tournée de sensibilisation dans les villages. Dans les petits villages environnants. D'accord, je te coupe pas. Sauf que dans cette rubrique-là, dans biographie et parcours, comme son nom l'indique, on essaie de faire connaître aux fans de El Maestro, aux téléspectateurs, de mieux connaître El Maestro, ce qui fait qu'on ne laisse aucune partie en rade. Et pour ça, on va revenir. Donc, tu disais tout à l'heure que tu es né à Yoff, que tu as grandi à Djourbel. Pourquoi ce petit pont-là? Oui, mon papa, il est de Djourbel. Il a connu ma mère ici à Dakar. Ma mère, elle est de Wakam. Et lorsqu'ils se sont mariés, c'était normal qu'il aille à Djourbel. À Djourbel, rejoindre la famille. D'accord. C'est pour cela que j'ai grandi à Djourbel. D'accord. Mais... Alors, cet amour pour la musique, tout à l'heure tu l'as dit, est venu d'un ami rappeur ou musicien en même temps. Alors donc, dans ta famille, on va dire, il n'y avait personne, il n'y avait pas de mélomane, il n'y avait personne qui t'a bercé par la musique. Tu n'as pas été bercé au niveau de la famille. Si, parce que mon papa était un homme qui aimait les enfants. Et il nous rassemblait toutes les nuits pour nous faire des contes, pour chanter avec nous. Et comme il était un policier, et dans l'armée, parfois ils ont des chants où ils nous chantaient ça. Et c'était beau. C'est ça le début pour moi. D'accord, d'accord. C'était ça le début. Et aussi, il y avait une tante qui aimait aussi chanter. D'accord. Elle aussi, elle nous regroupait comme notre père le faisait. Donc, tu as été bercé depuis ton tendre enfance déjà par ton père et par ta tante, on va dire, par ton entourage familial. Alors, un policier, comme tu l'as dit, qui a un fils chanteur, c'est pas un choix très difficile. Est-ce qu'il a été compréhensif, ton père? Comment cela s'est passé, cette décision? Mon père, il est très tôt décédé, en 2000. D'accord. Il nous voyait chanter. Il pensait même juste que c'était juste une passion. Mais avant
que ma carrière progresse, il est décédé, quoi. Et j'ai vécu cette carrière avec ma maman. D'accord. Et ce n'était pas facile. Elle, elle n'a jamais voulu que je fasse la musique. Elle m'a même frappé à multiples reprises pour que j'arrête. Mais c'est après qu'elle a su que c'était ça que j'aimais, quoi. Et elle m'a aidé à... Donc, c'est que ça reste quand même une décision assez difficile qu'elle n'a pas bien prise. Et on va dire que tu as bien dit souligné tout à l'heure que tu as fait tes études là-bas à Durbal. Oui. Donc, comment tu arrivais à coacher les deux, les études et la musique? Pour moi, si tu aimes quelque chose et si tu ne veux pas qu'on te prive de ça, au détriment d'une autre chose, tu es obligé de s'efforcer pour mieux... Coacher les deux. Parallèlement, quoi. D'accord, d'accord. Et tout à l'heure, comme je le dis, par rapport à ton ami, donc, on dit souvent que toute carrière a un déclic. C'est-à-dire que toute chose commence quelque part. Donc, quel a été ce déclic-là? À quel moment tu t'es dit, je suis un artiste ou bien je me lance? Quel a été ce déclic-là? C'était au moment où j'étais au collège. Et il y avait une organisation... un ONG, quoi, qui s'appuyait et aidait les jeunes filles, aux études des jeunes filles, quoi. On l'appelait FAWE. Et moi, comme j'aimais toujours faire partie dans les clubs, club anglais, Reza Club et club littéraire, donc j'aimais chanter. À chaque fois que je suis là-bas où dans une manifestation, j'ai demandé le micro pour chanter. Et un jour, j'ai chanté. J'ai chanté devant toutes les autorités, devant toutes les autorités, et ils ont apprécié. Ils ont vraiment apprécié ce que je faisais. Et tout le monde me regardait avec une autre œil. Et je me suis dit que même si je fais quelque chose d'anormal ou bien quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je vois que les gens me regardent d'une autre manière. C'était comme si que j'avais pas le droit de faire cela. D'accord. Et je me suis dit, donc, les gens me prennent maintenant comme un artiste. Donc, je n'ai plus droit à l'erreur. Donc, il est temps que je soigne la façon de faire et je soigne aussi... la façon de faire, pour ne pas choquer mon entourage, quoi. D'accord. Donc, tes débuts se sont passés à Durbal. Durbal, loin de Dakar, loin de tout, on va dire un peu de ce showbiz-là. C'était pas difficile? Toute chose est difficile. Tout début est difficile, c'est sûr. Et tous les travails que l'homme côtoie, c'est pas facile. Que ça soit la musique, que ça soit cultivé, que ça soit... Même présenter une émission, ce n'est pas facile. Du tout. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, on s'y efforce et on croit en soi et on continue, quoi. Malgré tous les obstacles que l'on rencontre, on essaie de progresser, quoi. D'accord. Alors, de Yoff à Durbal, ensuite, on peut dire que là, El Maestro est de retour sur Dakar carrément. Oui. Et depuis combien de temps? Ça fait presque 10 ans. Et pourquoi? En 2010, on avait participé avec mon groupe, parce que j'évoluais dans un groupe qui s'appelait Free Concept. Et on avait participé dans un concours de Nescafé African Revolution. C'était en 2010. Et on avait représenté la région de Durbal. Après, zone Durbal, zone Thiès. Zone Thiès, c'est Durbal, Louga. Thiès, et on a pris la première place et on a représenté cette zone pour la grande finale à Dakar et on a emporté la grande finale parmi 1000 groupes au Sénégal. On a pris la première place et on a représenté aussi le Sénégal au niveau panafricain. On était 7000 groupes, on a pris la troisième place derrière le Cameroun et le Nigeria. Et je me suis dit, et j'ai vécu beaucoup de choses là-bas, parce que c'est ça que j'ai su qu'est-ce que c'est que la musique, j'ai su aussi qu'est-ce que c'est qu'une star, parce que je côtoyais les stars, des Tiken Diafakoli, des Mewey et Toufan, on mangeait ensemble, on se baladait ensemble, et j'avais pas l'habitude de rencontrer ces gens, et je me suis dit non, il est temps que je me forge sur beaucoup de choses.
surtout côté de la musique, quoi. Mm-hmm. Et je me suis inscrit à l'École nationale des beaux-arts. Ce qui fut ton installation à Dakar, oui. Bien sûr. Eh bien, chers amis téléspectateurs, pour les fans d'El Maestro, pour ceux qui nous suivent, j'espère que là, vous le connaissez un petit peu plus. J'espère qu'El Maestro n'a laissé aucune partie de son enfance ou bien, on va dire, a tout simplement mieux expliqué sa biographie et son parcours. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement à la deuxième partie de notre émission, Choix du style, Style Time. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, vous êtes dans votre émission Look de Star à la deuxième rubrique Choix du style, Style Time. Nous parlons du choix musical, du choix de style de musique de notre invité, mais nous parlons aussi du choix du style vestimentaire. Et vu que tu as commencé, on va dire, par cette très très belle chanson, donc nous allons continuer dans cette lancée-là et parler de ton choix de style musical. Alors, El Maestro, si je comprends bien, tu as fait des études à l'École nationale des beaux-arts du Sénégal, on va dire. Oui. Pour toi, est-ce qu'un artiste, un vrai artiste, quand on parle d'artiste, on doit juste s'arrêter au don ou tout artiste devrait pouvoir s'imprégner, c'est-à-dire prendre des cours? Si, mm-hmm. C'est évident. Mm-hmm. Parce que si tu as un don, mm-hmm. Si tu n'essaies pas de le perfectionner, mm-hmm. tu seras trop limité. Mm-hmm. Mais si tu essaies d'apprendre mm-hmm. Davantage, mm-hmm. tu seras plus expérimenté mm-hmm. et tu sauras plus ce que tu fais. Mm-hmm. Et cause pour laquelle je me suis lancé dans la musique pour être un professionnel. Mm-hmm. Je me suis inscrit à l'École nationale des beaux-arts. Mm-hmm. J'ai fait là-bas 6 ans. Mm-hmm. Et j'avais comme instrument principal le piano. Mm-hmm. Et ce qui m'a aidé à plus comprendre la façon dont je compose mes instrumentaux. Mm-hmm. Parce que je suis en même temps beatmaker. D'accord. Mes instruments, c'est moi qui les compose. Mm-hmm. J'ai choisi une genre musical et je l'ai nommé SN Beat. SN Beat, Sénégal Beat. D'accord. Parce que j'ai essayé de prendre la musique moderne, mm-hmm. R&B, reggae, afrobeat, dancehall, mm-hmm. et j'essaie de mettre des rythmes africains. Mm-hmm. J'essaie de fusionner, quoi. Mm-hmm, mm-hmm. Je prends des percus, des percus tradi modernes. Mm-hmm. Je prends des percus, des kora, mm-hmm. d'autres instruments africains. Mm-hmm. Je les mets dans ma musique, mm-hmm. pour essayer de vendre notre musique. Mm-hmm. Parce que les gens ont tendance à critiquer notre musique, mm-hmm. et pensent que le Sénégal n'a que le mbalax. Mm-hmm. Alors qu'au Sénégal, on est plus riche musicalement. Surtout, chaque ethnie a un rythme. Parce que aussi, les gens confondent mm-hmm. le rythme musical mm-hmm. et le genre musical. Oui. Genre musical, tout le monde peut créer des genres musicaux. Mais le rythme musical, c'est par rapport à l'ethnie. Mm-hmm. Les peuples ont leur façon de chanter leur et leur rythme. Ont leur propre rythme. Mm-hmm. Les djola, les mandeng, les sossé. Donc, Afrique est riche en rythmes musicaux. Mm-hmm. Donc, on doit se concentrer sur les rythmes, mm-hmm. pour essayer de le mettre dans la musique moderne, mm-hmm. pour avoir un cocktail très joli. Mm-hmm. D'autres variétés. Ouais. Oh. C'est ça que j'ai fait. Ok. Et donc, en gros, toi, tu touches à tous ces rythmes-là pour créer ce SNB-là, yeah. ton style qui t'est propre. Ouais. Alors, on va revenir à l'école, à l'instrument plutôt. Ouais. Pourquoi exactement ce choix d'instrument? Parce que c'est rare. Mm-hmm. C'est rare. Si tu vois au Sénégal, mm-hmm. il y a beaucoup d'artistes. Mm-hmm. Et quand tu les vois chanter, mm-hmm. ils ont leur guitare. Mm-hmm. Donc, c'est fréquent. Oui. Et moi, ma philosophie, c'est à chaque fois, il faut se démarquer pour se faire remarquer. Mm-hmm. Et pour me démarquer, j'ai mm-hmm. choisi le clavier. Et j'aimais le clavier depuis mm-hmm. mon enfance. Mm-hmm. Mon nom, El Maestro. Mm-hmm. Et d'habitude, quand tu écoutes les musiques italiennes, mm-hmm. la musique classique, les mm-hmm. valses et autres, mm-hmm. Quand on voit les opéras, mm-hmm. il y a toujours quelqu'un qui est devant, mm-hmm. et c'est le maître de la cérémonie, mm-hmm. et c'est lui qui bat les mesures à oui. chaque fois. Mm-hmm. Lui, on l'appelle le maestro. Mm-hmm. Et
une autre définition de maestro. Mm-hmm. Maestro, c'est le maître, l'instituteur. Mm-hmm. Oui. Donc, je suis un maître. Donc, tu te vois en tant que maître. Oui, j'enseigne. Oui. J'enseigne, je sensibilise et je conscientise. Mm-hmm. Donc, je peux dire que je suis le maestro de la musique sénégalaise. Ah, ça, c'est le maestro de la musique sénégalaise, le kangam, qui vient comme second nom aussi. Pourquoi le kangam aussi? Le kangam, c'est savant mm-hmm. en Wolof. Mm-hmm. Et je sais que je suis un kangam. Si je n'étais pas un kangam, je ne pouvais pas faire ce genre de choses. Je ne pouvais mm-hmm. pas être en même temps mm-hmm. un musicien, mm-hmm. un beatmaker. Mm-hmm. En même temps, je suis ingénieur de son à mm-hmm. Negourap. Mm-hmm. Je fais aussi les brutasses, des doublages de Poté Maréchou mm-hmm. et personne ne le sait. Ah, et c'est moi qui est derrière tout ça. Ok. Bon, je vais quand même t'embêter un peu. Je suis moi. La modestie existe quand même. Si. tout le monde sait que je suis modeste. Oui. Mais en matière de musique, uh-huh. si tu ne parviens pas à défendre tes idées, uh-huh. moi quand je défends mes idées, mm-hmm. tu crois que j'essaie de mettre au-dessus de tout le monde, mm-hmm. alors que tel n'est pas le cas. Mm-hmm. J'aime le partage, mm-hmm. et quand tout le monde me dit « c'est toi mm-hmm. », moi, je débrousse mes pas. Ok, super sur ce coup-là. Je sens que tu m'as compris, super sur ce coup-là. Alors dis-moi, depuis ton retour à Dakar, comment se passent les scènes? C'est un peu difficile mm-hmm. parce que si tu n'as pas un peu de notoriété, mm-hmm. C'est un peu difficile qu'on te voit sur beaucoup de scènes. Mm-hmm. Mais quand j'ai l'occasion, à chaque fois que j'ai l'occasion de me présenter ou mm-hmm. de monter sur scène, je le fais. Mm-hmm. C'est ça. Oui, c'est ça. Et je sais que tôt ou tard, je serai au-dessus, quoi. Moi, je le sais. Inch'Allah. Et je bosse toujours pour ça. Inch'Allah. Et j'ai ma conviction que... C'est tout ce qu'on que, te souhaite, en tout cas. C'est tout ce qu'on te souhaite. Alors... une question que j'aime bien poser à tous ceux qui sont là, deux, on va dire. Quelle a été ta plus grande scène en tant qu'El Maestro jusque-là? Plus grande scène, c'est lors de la grande finale du concours Nescafé African Revolution au CICES. Mm-hmm. C'est une scène qui t'a marqué? Oui, il y avait seulement les plus grands artistes de l'Afrique, mm-hmm. des Tiken Diafa Koli, mm-hmm. des Mewé, mm-hmm. des Toufan, mm-hmm. des Daradja Family. Mm-hmm. Il y avait plein de monde. Et est-ce que tu as une scène que tu as beaucoup regrettée dans ta carrière? C'est cette scène-là, en même temps. En même temps? Et pourquoi? Parce qu'il pleuvait et notre prestation a été gâchée mm-hmm. par la pluie. D'accord. Donc, ça reste en même temps un très beau souvenir, mais aussi une scène que tu regrettes beaucoup. Oui. D'accord. Pour ça, c'est fallait en parler à Mère Nature ou bien constater, essayer de voir la météo, ce que ça disait. Mais bon, ça reste quand même un bon souvenir. Oui. Donc, il n'y a pas de quoi regretter, d'après moi. Et sinon, vu que notre rubrique parle de choix musical, mais aussi de choix du style vestimentaire, c'est-à-dire le style des artistes, on a constaté que depuis un bon bout de temps, les artistes ont changé de style vestimentaire. Parce qu'avant, on voyait des styles lambda, mm-hmm. ce que tout le monde mettait. Soit on peut voir un artiste sénégalais, ivoirien, comme tu veux, whatever, c'est-à-dire un artiste africain qui arbore des tenues qui ne nous sont pas propres. Mm-hmm. Là, j'espère que tu me comprends, tu me suis jusque-là. Si. Et on a remarqué que depuis que d'autres artistes de l'extérieur, je me prive de citer de noms, mm-hmm. d'autres artistes de l'extérieur commencent à arborer des matières qui sont à nous, des matières qui nous sont propres, que nos artistes commencent maintenant à se lancer. Alors que ce sont des choses qui nous ont toujours appartenu, si. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, les Occidentaux mm-hmm. ont toujours, je ne dirais pas volé, ont toujours copié. Uh-huh. Non, quand je vois le clavier, le piano, uh-huh. le piano, on l'a fabriqué, ça fait longtemps, mais uh-huh. il y a plus ancien que le piano qui est le balafon. Uh-huh. Il y a plus ancien que la guitare uh-huh. qui est le khalam. Uh-huh. Donc, tout est copié ici, uh-huh. côté musique. Uh-huh. Nous, on laisse ce qu'on a ici, uh-huh. on essaie de chercher ailleurs, alors que la richesse est là.
côté vestimentaire. Pour moi, c'est dans tous les domaines. J'espère que je me suis fait. Bien sûr, parfaitement, on a compris, on a parfaitement compris. Côté vestimentaire, moi, quand j'étais petit, quand on me voyait, je peux passer inaperçu sans pour autant que tu saches que celui-là, c'est un artiste. Parce que j'étais trop simple. Et j'avais même pas de locks. Et quelqu'un m'a dit un jour que tu dois te forger, essayer d'avoir un look, un style, pour que tu ne vas plus passer inaperçu. Exactement, parce qu'un artiste doit quand même pouvoir se faire identifier à travers son style vestimentaire, à travers son look. Et on a remarqué que maintenant, vous, les artistes, vous faites des efforts. Si, moi c'est depuis mon enfance. Moi, ça fait longtemps que je le fais. Peut-être les artistes que vous voyez en ce moment, ils ont commencé à comprendre. Mais moi, j'avais compris, ça fait longtemps, quoi. Même si j'avais pas assez de moyens pour changer à chaque fois ma garde-robe. Si tu veux. Il va me tuer, ce gars-là, si tu veux. Non, alors, s'il faut te catégoriser ou t'identifier, on dira que El Maestro a quel genre de style? C'est quoi ton style? Je passe toujours. On ne peut pas aller sans la tradition. Et on ne peut pas aussi être actuel sans la mode, sans la modernisation. Donc moi, à chaque fois, je fais un conflit de générations. Un style tradit moderne. L'explication de tous de nos jours. Ouais. Donc on a remarqué déjà aujourd'hui avec cette tenue que tu as, on sent quand même ce que tu dis, la modernité aussi, la tradition, avec ce joli pagne que tu as mis au niveau de ta veste, de ton chemisier, on va Afro dire. Solo. Ah, oui, en tout cas, ça te va super, super bien. Merci. Donc, il a aussi un style tradit moderne, comme son style musical aussi. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement à la dernière rubrique de notre émission, Relooking. À tout de suite. De retour au plateau de Look de Star à la dernière rubrique Relooking. Mais avant d'avancer, tu vas nous offrir une autre chanson. Je suis albinos, je me glorifie de ce nom. Je suis fier de ma peau blanche comme neige. Je suis albinos, je me glorifie de ce nom. Je suis fier de ma peau blanche comme neige. Man de ma jodu man gañi di xass sama yaaye boy di ka tumal nake bobu pone la man bi ma magge sama moromi ñom di ma xol fone de ma wute ak ñom nake bobu pone la man suma genné ci mbeddu me nañ bi di ma gañ suma weñ laalé sama yaram bi di yaqoy motax soxla na man ay jumtu kay yuma amul ñeegam ma ngi xex ak saasu ne ay jangoro yuma amul safaram je suis albinos je me glorifie de ce nom. Je suis fier de ma peau blanche comme neige. Y'a quoi? Je suis albinos, je me glorifie de mon nom. Je suis fier de ma peau blanche comme neige. Nazanunu, na lingi kombo wana, na lingi poso nanga, ya pembe lokolanes. Naza dundu, nalingi kombo wanai, nalingi poso nanga, ya pembe lokolanes, ya pembe lokolanes. Je suis albinos, je me glorifie de ce nom. Je suis fier de ma peau blanche comme neige. Je suis albinos, je me glorifie de ce nom. Je suis fier de ma peau blanche comme neige. Ça, c'est
c'est ma chanson préférée. Mais dis, il y a une histoire qui se cache derrière ce morceau? Oui, moi, je peux dire qu'il y a une histoire. Mm-hmm. Parce que, en même temps, à chaque fois que je vois une association qui œuvre pour la protection de la petite enfance, mm-hmm. j'y vais et je m'intègre. Mm-hmm. Je vais adhérer tout de suite mm-hmm. parce que j'aime les enfants, mm-hmm. Cause pour laquelle tout le monde m'appelle l'ambassadeur des enfants. Super. Et si tu vois sur mon mur Facebook, mm-hmm. tu vois que j'ai écrit là-bas « Je suis albinos mm-hmm. ». Parce que les gens ont tendance à regarder d'une autre œil les albinos, mm-hmm. alors que ce sont des personnes à part entière comme nous. Mm-hmm. Et eux, à chaque fois, quand vous discutez avec eux, mm-hmm. Ils n'ont pas besoin qu'on ait pitié d'eux. D'eux, oui. Parce que... Pas forcément. Ils veulent juste qu'on les mette, qu'on leur donne leur place dans la société. Au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Ils ne sont pas différents. Du tout. Voilà, mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Mm-hmm. Et ils ont tendance à... vous regardez, c'est un albinos. Et tout, automatiquement, ils ont tendance à avoir du pitié. Mm-hmm. Alors que... c'est pas comme ça qu'on doit se comporter avec eux. Mm-hmm. Et moi, je vais saluer de passage une amie, je l'appelle mon ange bassiste. Mm-hmm. C'est une amie, Mahoudia Keita. Elle a été à ta place là, elle était là aussi, nous la saluons de passage aussi. C'est une amie, et elle est exceptionnelle, une battante, mm-hmm. et c'est lui qui m'a plus inspiré à faire cette chanson. Mm-hmm. Et je lui ai demandé beaucoup de choses mm-hmm. lorsque j'écrivais cette chanson. Mm-hmm. Et je l'ai même fait écouter et il a adoré. Même Salif Keita, mm-hmm. le grand Salif Keita, mm-hmm. a écouté cette chanson. Il s'est dit, non, celui-là, il faut que je le voie. C'est pour cela, lorsqu'il était venu au Sénégal, mm-hmm. tout récemment, mm-hmm. il m'a appelé. J'y croyais pas. On m'a dit que c'est Salif Keita qui avait besoin de toi. Mm-hmm. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. C'est sûr. J'ai regardé jusqu'au petit matin et je suis allé le voir. Et mm-hmm. il était trop content mm-hmm. de me voir et il m'a dit que, même pas la chanson que tu as fait pour les albinos, mais j'aime la façon de chanter. La façon dont tu l'as fait. En fait, c'est une chanson très, très riche et vraiment de très belles paroles, très riche. En même temps, on a remarqué que ce n'était pas qu'en Wolof et en français, il y avait une autre langue. C'est quelle langue? Lingala. Le Lingala. Alors, tu es sénégalais, tu parles Wolof, tu te débrouilles pas mal en français. Le Lingala, cette partie, ce texte-là, comment tu t'es inspiré, qui te l'a écrit, c'est venu comment? Je l'ai écrit, j'ai pris le refrain. Mm-hmm. Je suis albinos, je me glorifie de ce nom. Mm-hmm. Je suis fier de ma peau blanche comme neige. Mm-hmm. J'ai les trois dits en lingala parce que j'ai des amis mm-hmm. Qui parlent, des amis congolais qui mm-hmm. parlent le lingala. Mm-hmm. J'ai écrit cette chanson et je leur ai dit que je veux une traduction. Mm-hmm. Après, ils m'ont traduit. Je leur ai dit, je veux que vous me faites une note vocale pour que je puisse comprendre comment on le dit mm-hmm. pour ne pas rater l'accent. Parce qu'il s'agit de la musique. Et mm-hmm. quand tu enregistres, mm-hmm. ça doit être parfait. Mm-hmm, mm-hmm. Et lorsque je l'ai fait, ils ont écouté, ils ont dit, non, comment tu as fait pour chanter comme un lingala? Mm-hmm, mm-hmm. Et moi, je ne sais pas. En tout cas, ça reste une belle chanson vraiment qui mérite beaucoup, beaucoup de titres et que tout le monde, pas que les albinos, et que tout le monde devrait défendre et que tout le monde devrait connaître. En tout cas, avec cette chanson-là, on te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. On espère que ça va venir. Et en parlant musique aussi, de tes textes, ainsi de suite, d'où te viennent tes inspirations d'habitude en général pour tous tes textes? Dans la vie, dans la vraie vie. Mm-hmm. Parce que beaucoup de mes chansons reflètent ma vie et mm-hmm. la vie des autres. Mm-hmm. Parce que quand tu veux communiquer avec des gens mm-hmm. qui sont là, mm-hmm. Il ne faut pas chercher ailleurs. Je peux m'inspirer une chanson qui peut vous concerner, quoi, mm-hmm. en même temps. Mm-hmm. Et moi, ça vient naturellement, quoi. Mm-hmm. Je le fais naturellement et ça mm-hmm. vient naturellement. Et tu les écris toi-même, tes textes? Oui, j'écris mes textes. Mm-hmm. J'écris mes textes à moi seul. Mm-hmm. Je fais mes beats. Je remercie Dieu de m'avoir donné ce don. C'est tout simplement ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est merveilleux, c'est magnifique de voir de jeunes artistes bourrés de talent comme toi. Ça fait vraiment plaisir. Mm-hmm. Et tu sais quoi?
N'oublions pas, on est à notre partie, à notre dernière partie de l'émission, Relooking, la partie que je préfère. Encore une fois, tu sais pourquoi? Parce que je joue à la reine, je m'assois et mon invité me sert. Tu t'as déjà défilé sur scène? Tu te vois en tant que mannequin? J'ai jamais fait. Tu peux te voir en tant que mannequin? Oui. Oui? Alors c'est parti. Ben, il va se changer et mettre sa première tenue et à tout de suite. Pour ceux qui viennent de se mettre devant le petit écran, nous sommes presque à la fin de cette émission, à la dernière rubrique de notre émission, Relooking, à la première tenue de El Maestro Le Kangam, tout en tradimoderne. En tout cas, ça te va super bien. Merci. C'est un style que tu respectes, le chemisier en mode wax et un petit panache, quoi, on va dire. Ça te va super bien. Donc, cette tenue-là, c'était en quelle occasion? Je l'ai acheté comme ça. J'ai dit à une de mes sœurs de me le faire, de me la faire. J'ai aimé la façon dont la fête. J'en ai acheté deux parce que moi-même j'ai ma propre marque qui s'appelle Afro Solo. Ah ouais? Ouais. Et j'y vais toujours sur cette ligne quoi, parce que à chaque fois je veux, quand on me regarde, on voit un Africain quand je m'habille quoi, je veux que les gens sentent que moi je suis un Africain. Exactement. Et pour moi, avec cette simple tenue, quand je me suis miré, je me suis dit que hey, ça me va bien. C'est un Africain, tu te vois en tant qu'Africain. En tout cas, ça fait plaisir, on est tous fiers d'être Africains. En tout cas, moi à 2000%. Alors, tu avais porté cette tenue-là, tu l'as arborée où? C'était en quelle occasion? Lorsque je faisais une vidéo qui s'appelait Roy Legende, je faisais un hommage à la grande diva Ndaye Mari Ndiaye Gawlo. D'accord. J'ai porté cette tenue. C'est ça, quoi. J'avais choisi cette tenue, quoi, pour cette clip. D'accord, pour cette vidéo-là. Donc, c'était un hommage que tu avais fait et tu avais arboré la même tenue-là. Alors, une question que j'adore poser à tout le monde. Donc, dis-moi, est-ce que cela t'est déjà arrivé d'avoir une scène et de n'avoir rien à te mettre sur le dos? Si. Alors, comment t'as fait? Raconte-nous. Un jour, ça m'est arrivé. Mais heureusement, il y a parfois, à chaque personne a un ami où quand on est dans des moments critiques, c'est lui qui va nous aider. Et lorsque ça m'est arrivé, j'avais un ami. Okay. Et j'avais aussi un grand frère. Maintenant, il est aux ISA. Et l'autre, il est en Afrique du Sud. Quand je n'ai pas de quoi apporter, je les appelle ou bien je vais chez eux. Je leur dis que j'ai une manifestation, mais je n'ai pas de quoi apporter. Et eux, c'est eux qui vont me donner quelque chose. Qui vont t'habiller finalement. Ouais. Donc, tu te fais des shopping chez des amis. Ouais. Donc, tu vas mettre la deuxième tenue. Okay, laquelle? Le noir. Le noir aussi? Yes. Et à tout de suite. Nga don la wan gana ori na nekatu ma fi may piti ma amul la je suis perdu xamantuma fuma jëm fi ma nek amul yor man joxena lepp luma wor. Deuxième tenue de El Maestro à la dernière rubrique de notre émission Relooking. Alors on va dire un boubou africain, la matière deux pièces. Trois pièces d'habitude, mais là tu l'as en deux pièces. Oh, c'est vrai que c'est très tendance actuellement, on remarque que les gens commencent à l'arborer un petit peu plus. Alors tu l'as arboré en quelle occasion, c'était en quelle occasion cette tenue? Lorsque je tournais mon clip Kanyanga.
Yes, I am. Ma chanson préférée. C'est en tournage de ce clip-là, Kanyanga, que tu as porté cette tenue. Oui, j'ai porté cette tenue. Et pourquoi ce choix? Feeling. Mm-hmm. Parce que on dit souvent les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Exactement. Et j'avais envie de le porter, c'est pour cela que je l'ai porté. Et je sais que c'est joli, c'est pour cela que je l'ai porté. Et qui l'a confectionné? Et on me l'a donné, une de mes fans. Mm-hmm. Je la salue de passage. Elle mm-hmm. habite au Cité Avion, mm-hmm. à Wakam. Mm-hmm. Elle s'appelle Maguette Diop. Ok, qui te l'a offert? Mais elle me l'a donné pour que d'accord. je le porte. Dans une manifestation ou autre, je lui ai promis que je vais le porter dans mon prochain clip. Super, et chose promise, chose due. Alors, on a remarqué que quand on parle dans cette émission, on parle bien sûr de musique, mais on parle aussi de mode parce que c'est de l'avant de pair, c'est de mm-hmm. l'avant. En fait, on ne peut pas séparer la mode de la musique, d'autant plus que de nos jours, vous, les artistes, vous êtes plus incités à faire appel aux stylistes ou aux créateurs. Si. Donc, il y a des stylistes ou il y a des artistes plutôt qui adoptent cela. Mm-hmm. Parce que souvent, quand on parle de l'extérieur, les artistes ont souvent des conseillers en vestimentaire, en style, des stylistes ou même des créateurs qui sont que pour eux. Mm-hmm. Okay. Donc en Afrique, il n'y a pas cela, mais on a remarqué que maintenant, les artistes commencent à faire appel si. Aux stylistes, aux créateurs. Alors, cela t'arrive, tu y penses ou... Depuis un bout de temps, mm-hmm. Auparavant, c'était mon entourage qui me disait non. Ils ne s'y connaissent pas, mm-hmm. mais ils essaient de m'aider à mettre quelque chose de joli. Mm-hmm. Mais maintenant, mm-hmm. Depuis que j'ai connu Totally Evans, mm-hmm. et à travers cela, j'ai connu pas mal de stylistes qui oui. aiment ce que je fais. Mm-hmm. Et depuis lors, on travaille ensemble. Mm-hmm. Je vais citer René Namado, qui est passé dans notre chaîne et Adama aussi. Sarr. Uh-huh, y a aussi une amie. Qui s'appelle Binou Saho, mm-hmm. c'est elle qui confectionne. Elle a une marque qu'on appelle Dagana Style, mm-hmm. et c'est maintenant qui m'habille quoi. D'accord. Donc prochainement, on espère que tu vas contacter les stylistes et que désormais si, tu vas. Si, c'est déjà fait. J'ai fait un clip, mais c'est pas encore disponible. Mm-hmm. C'est Adama et Dagana Style qui m'ont habillé. J'ai fait aussi des manifestations. Une manifestation à Djurbel, c'est René Namado qui m'a habillé. Super. Et là, tu vas mettre la dernière tenue? D'accord. Yes, let's go. Nous sommes à la troisième tenue, troisième et dernière plutôt tenue de notre rubrique Relooking, El Maestro en mode, je sais pas trop. En mode quoi? Traditionnel. Traditionnel. En mode traditionnel avec un djellaba, un turban, mort. Un turban, pas mort. Un turban. Ça n'appartient pas. Ça n'appartient à personne. Ouais. Alors, en quelle occasion c'était cette tenue-là? Ma dernière vidéo. Mm-hmm. Qui s'intitule? Amanide. Amanide. Remix Wolof. Ok. Et pourquoi ce choix-là? Je ne voulais pas sortir du contexte du Ramadan. D'accord. C'était au mois de Ramadan. Mm-hmm. Et je voulais que quand la vidéo sortira, que mm-hmm. les gens comprennent que je ne voulais pas sortir du thème. Ok, d'accord, rester dans le thème. Rester dans le timing. En mode carême. En mode carême. Donc c'était ton inspiration à toi-même. Oui. Et j'imagine que tu t'es habillé tout seul aussi. Oui. D'accord. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de styliste, de créateur ou un cadeau qui se cache derrière. Parce que cette clip, c'était improvisé quoi. Mm-hmm. J'étais allé rendre visite à un de mes grands frères. Mm-hmm. Et il m'a dit, on va faire une vidéo aujourd'hui. Choisis mm-hmm. une de tes sons, on va faire une vidéo. Mm-hmm. Et j'ai choisi la vidéo Amanide. Mm-hmm. Et c'était occasionnel, c'est pour cela que j'ai contacté pas de styliste. D'accord. Et je le salue de passage. Mm-hmm. C'est Visit Pro, okay. une maison de production, de production qui, mm-hmm. qui fait des clips. D'accord.
Alors, l'émission touche à sa fin, on est presque à la fin, on va dire, mais on n'est pas presque, on est à la fin de notre émission. Mais avant cela, peux-tu nous parler de tes projets à venir? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Qu'est-ce qu'il y a à venir? Où est-ce qu'on peut entendre ou voir ce que fait El Maestro? Oui, je suis sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Sous le nom d'El Maestro. Sous le nom de El Maestro. El Maestro officiel. D'accord. Mais si c'est Facebook, j'ai mis El Maestro le Kangam. D'accord. Je prépare un album qui sera disponible en octobre. Inch'Allah Rabbi. Et je rends un grand hommage à la femme africaine. C'est pour cela que j'ai surnommé l'album Djiligan. Djiligan. C'est un mot wolof qui signifie semer quelque chose de bon. D'habitude, en Afrique ou au Sénégal, on dit que la femme, c'est elle qui incarne ce mot, Djiligan. D'accord. Et quand on dit Djiligan, on sous-entend Djigen. Oui, exactement. Ça sonne presque pareil. Ouais, c'est ça que j'ai fait aussi. D'accord. Un jeu de mots. J'ai fait un jeu de mots en titrant mon album Djiligan, mais on sous-entend Djigen. Djigen. D'accord. En tout cas, merci pour cet hommage. Je ne suis pas la seule femme, mais je fais partie des femmes. Ouais. Donc, merci beaucoup. Alors, El Maestro, ma toute dernière question que j'adore. Et j'espère que tu ne vas pas louper ce coup. J'adore beaucoup de questions. J'espère que tu ne vas pas louper ce coup-là. Hein? Je ne sais pas. Donc, écoute bien. El Maestro, a-t-il un cœur à prendre? A-t-il un cœur à prendre? Oui. Bien sûr, tout le monde a un cœur à prendre. Tout le monde a... Moi, je n'ai pas un cœur à prendre. Le mien est déjà pris. Hein? Le mien est déjà pris. Non, seul Dieu sait. On peut être dans une relation, mais ça ne veut pas dire que c'est cette... El Maestro... Écoute, il ne faut pas jouer au non, compliqué là. Moi, El Maestro, quand ce n'est pas confirmé, je tu dis que c'est tu es en couple ou pas? Je suis en couple. Tu es en couple? Oui. Ok, pas encore marié, juste en couple. Pas encore marié. Okay. Juste un, j'ai... Juste en couple. Madame, si tu m'entends, ou mademoiselle, plutôt, juste en couple, tire-toi. Mais comment me retirer où? Dis-la de se retirer. Et quand elle va se mais retirer, qu'est-ce que tu il y aura... Dis là? Et tu es en train de la plaquer là? Non, c'est toi qui essaies de la plaquer. Non, elle me connaît. Non, mais tu je dis la non, connais, je suis juste donc... en... Non, tu viens de dire non, je suis juste en relation s'il n'y a rien de confirmé. Non, mais attends, what's up, man? Tu viens de la plaquer en ligne là? Non. Écoute, non. Madame, là, il vient de dire juste en relation, rien de compliqué. Toi, moi, je sais ce que je dis. Quand je confirme, c'est comme si que il y a des djinns qui vient couper la relation. Je ne vais pas être ici pour couper. Je vais attendre jusque le moment venu, vous saurez que être pendu, c'est plus... On n'a rien compris, c'est pas ça. Ah, parce que tu vas comprendre. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, dans ce qu'il est en train de dire là. À chaque fois que je confirme, il y a des djinns qui viennent pour couper. C'est pas sûr. C'est pas sûr de confirmer une chose qui n'est pas encore confirmée. Parce que des djinns vont venir tout parce que des djinns comme Doja peuvent venir casser la relation. Et maintenant, on me traite de djinns. Je ne sais pas, moi. Parce que tu l'as dit de s'en aller. C'est toi qui l'as dit. Maintenant, ça va être de ma faute maintenant. C'est de ta faute. Quand elle alors, va me laisser reste, tomber, alors, je vais t'appeler. Mademoiselle, reste. Ah. Maintenant, je ne suis plus une djinn. Tu vois comment tu es en train de suivre. Ah, je veux que tu aies cette relation. Eh bien, chers amis téléspectateurs, ce fut tout simplement oufissime. C'était un très beau numéro. Oui. Vraiment, ce fut un excellent plaisir. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Ça m'a fait plaisir que tu répondes à cette émission. Mm-hmm. Et le temps que je dise bye-bye, avant cela plutôt, tes derniers mots, qu'est-ce que tu as à dire? Juste une phrase. Oui? La famille ou la mort, je vaincrai. La famille ou la mort, tu vaincras. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, on te le souhaite, on te l'espère vraiment. On espère que tu vas vaincre. On espère d'ici des années voir un featuring avec un très grand star, voir une première, une grande première, ou bien, écoute, une médaille. Yes, we can. Yeah. Yes, you can. Tu as parfaitement raison. Et tu vas nous offrir une dernière chanson. Tu vas clôturer avec une toute dernière. Laquelle? Sama Pexa.
Sama Pizza. Yes, ah. Ça aussi, c'est une de mes morceaux. Et en attendant, chers amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très, très prochainement Sama dans Pizza, FA Channel sur Fashion. Je le dédie à mon amour. À ton amour. Oui. À ton amour qui n'est pas sûr. OK. Oui. Maintenant, à mon amour qui n'est pas sûr. Maintenant, je peux clôturer l'émission. Tu peux clôturer l'émission. Ça fait un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement avec certainement un autre invité. Bye bye. Ma soxla la sama wet nga soxla ma ci sa wey so ma mere ma wet luma manti def duma ne suñuy woyo téléphone xullo gudi suba ngon sa suñu gisé moy dakk ciéré sukar so sometimes I think that you were my enemy. Sometimes I think that girl you love only me. Yeah, why? Tell me why love is naughty. Wow mandeli lay dundeng mom yay sama pizza maria ma mande xawma de ci sama xol ñay wala xel ma ngeen bye bye.